Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration urbaine où je vais donc explorer un ancien centre commercial. Je vous rappelle que cette pratique est illégale et peut s'avérer dangereuse, notamment ici puisque ce lieu est infesté d'amiante, qui est un facteur cancérogène. Je me suis évidemment protégé en conséquence avec un masque. Bon visionnage à tous! Alors par rapport à la dernière fois où je suis venu, ils ont déjà commencé à vraiment vider le lieu. Là, il y a beaucoup de choses qui sont parties et qui étaient encore là la dernière fois. Ouais, genre là, il y avait encore un mur la dernière fois que je suis venu. Et je suis venu il y a même pas 6 mois en fait. C'est-à-dire que là, ça fait 3 à 5, 8 ans, je sais pas. Ça fait quand même pas mal de temps que c'est abandonné. Et c'est que maintenant qu'ils commencent vraiment à vider le lieu, à détruire le lieu. On va pas se le cacher, c'est un peu glauque, non ? Ah là, il commence vraiment à détruire tous les murs et tout. La dernière fois que je suis venu, en fait, il y avait encore un toit. Mais là, ils ont commencé déjà à le retirer. Ah, ça fait bizarre comme lieu. Je serais content que tu te brouilles si j'en parlais. Je sais pas si ils sont proches ou non. Oh. Je sais pas si c'est des pigeons ou des gens. À mon avis, tout a été pillé. C'est un vendeur de montres, apparemment. Et de bijoux. Et à mon avis, il n'y a plus rien. Ça a déjà été pillé. Regardez comment c'est foutu en l'air. Ça, c'est super intéressant, par contre. Peut-être un four à pizza, je sais pas, mais... Oh, y a une sorte de cheminée un peu étrange là, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que je suis pas tout seul. Ça c'était le carrefour. Énorme. Non, ça, ce sont les pigeons en fait. Ils tapent des ailes, ça fait des bruits et quand ils roulent aussi, on dirait des voix au loin. Enfin,
vraiment, je dois avouer que je suis un petit peu dégoûté parce que quand je suis venu en fait la dernière fois, et c'était à moins de 6 mois en fait, bah toute la partie plafond là, elle y était encore. Et ça montre que les lieux peuvent changer très très rapidement. Et là c'est pareil, je veux dire, moi je suis venu il y a peut-être 6 mois, il y avait encore plein de choses. Et en 6 mois, vous avez vu tout ce qui est parti, sachant que le machin doit être détruit en fait depuis à peu près... peut-être entre 3 et 8 ans quoi, je sais plus, c'est vieux quand même hein, que ça doit être détruit. Oh, ça c'est... Oh, c'est les coffres forts de Carrefour. Je suppose que c'est fermé évidemment. Ouais, ça a essayé de les trouver, mais de toute façon, à mon avis, il n'y a plus rien dedans. Voilà, donc tout ça, cette grande pièce, bah, c'est un centre commercial avant. Un Carrefour. C'est énorme. On va aller visiter là, la petite zone qui est derrière. Vous savez, la zone où des fois on voit des gens passer et on sait pas ce que c'est. Tiens, vous savez, ça c'est le rayon au milieu, là, le rayon fromage, je crois. Ou boucherie, même si je crois que boucherie c'est plutôt au fond. Les livraisons, elles arrivaient par là. Oh, moi qui comptais monter, j'ai un escalier. Enfin, je vais d'abord faire le niveau du bas. Donc là, je suis. Oh, putain. Si ça, c'est pas flippant, putain. Bref, là, je suis derrière le carrefour. Oh, c'est flip que je viens de me faire. Donc là, tout ça, c'est la zone qui est derrière le carrefour, en gros, derrière le centre commercial. Là, la grande surface, comme on pourrait dire. Ok, ici, y a rien. C'est marrant ce truc-là. Là, il y a mon meilleur ami. Voilà. Ça, c'est vaste, en fait, hein. C'est un petit dédale là. Oh, ça monte. Oh. Oh, un coffre fort. Dévalisé, mais... Pas mal, quand même. Oh, oh, oh. Là, il y a plein de pièces. Tout ça, peut-être les rayons charcuterie, volailler et tout. Je suppose, hein. Oh, merde. Là, faut que je regarde, hein. Je peux pas filmer et regarder où je mets les pieds. Hein. Et pourtant, je devrais. Bon, bah, on va, du coup, on va monter. Hein. Est-ce qu'il y a pas grand chose d'intéressant? Ça sera peut-être mieux là-haut. Wow. Ouais, donc là, il y avait l'escalier au bout, là, que j'avais vu quand je suis arrivé. Ouais. Ouais, donc là, on peut voir, il y a des panneaux avec écrit danger amiante, ils sont partout. Donc, c'est pour ça que je me suis protégé. Hein. J'ai un masque sur le visage. Évidemment, j'y ai pensé. Si ça c'est pas énorme. Oh, une voiture. Oh, c'est confiné ici. Ok, il y a l'escalier pour descendre, mais je suis pas très en confiance. Je vais peut-être descendre par l'autre là-bas. Ah, sauf si il est condamné. Ouais, bah, j'ai descendu. Hein. C'est bloqué. Oh, mais merde! Oh la vache, les bijoux que c'est, je sais pas ce que c'est, mais. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Oh la vache! Oh mon dieu! C'est pour ce genre de pépite que je fais de l'urbex, c'est pour tomber là-dessus. Oh mec!
Oh mon dieu. Bon, je vais pas trop traîner ici parce que je crois qu'il y a des gens qui m'ont vu. Donc là, c'est un autre magasin qui était plutôt grand. Alors écoutez, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu ouvert ce machin. Je sais même plus ce que c'était. Mais c'est, ça remonte à tellement longtemps. C'est-à-dire que je venais ici, j'avais... je crois que j'étais même pas au collège. Je crois que justement ils l'ont fermé un peu de temps après mon entrée au collège. Quand on était jeune, on appelait ça le volcan. Bon, je vais me tirer du lieu parce que je veux pas rester trop longtemps avec l'amiante, même si je suis protégé par un masque. Je sais pas quel niveau de protection ça m'assure, donc je vais partir. C'est dommage, j'aurais bien aimé aller visiter. Bon allez, vas-y, rapido. Oh. C'est pas mal, hein. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est un appartement. Il y avait des gens qui habitaient ici. On pourrait aller sur le toit. C'est con, ça, on pourrait aller sur le toit, mais on va pas le faire parce que... Parce que je passe pas... J'espère que le verre va pas se casser. Bon passage. Oh, je suis vivant. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très étrange. Enfin bref, c'est parti, on se tire. Voilà, et donc là, ils sont en train de retirer le parking. Là où il y avait un parking, du moins. Voilà, et bah c'est bon, je m'en vais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle me permet de faire une petite parenthèse sur les lieux. J'ai fait des recherches après cette visite qui m'ont montré que le lieu est fermé donc depuis 4 ans et il s'avère que j'y suis allé alors qu'il venait juste de commencer la destruction totale. Et il est probable qu'à l'heure où sort cette vidéo, le lieu est complètement détruit. Ceci nous montre donc que les lieux peuvent changer très vite et il est important d'en prendre soin. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir d'autres explorations urbaines, et abonne-toi pour connaître toutes mes prochaines vidéos. À la prochaine !